Salut, nouveau défi aujourd'hui, on joue à Fort Boyard. Bon, Fort Boyard. J'étais un grand fan de l'émission quand j'étais petit. Il pouvait pas se passer un samedi sans que je sois devant la télé pour regarder Fort Boyard. C'était mon truc. J'ai vraiment grandi avec, et ça fait tellement longtemps, en vrai, que je regarde plus cette série, mais ça fait partie des meilleures émissions qu'on avait à la télé. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a aventure, Boyard Party, entraînement. C'est un jeu qui se veut convivial, donc on peut jouer à plusieurs, on va y aller en moyen. Les modes difficiles et héroïques sont bloqués. On a un mode héroïque. J'imagine que ça va être la difficulté hardcore. Joueur. On peut choisir son personnage. Bon, allez, j'aime bien sa tête à lui. Il a une belle tête de vainqueur. Le père Fouras. Résous l'énigme avant de te faire transformer en momie. Donc, donc il y a des jeux de réflexion. Ok. Ça s'est transformé en question pour un champion d'un coup. Quelqu'un qui traîne du pied, ou alors un cube en carton, un couvercle sur le front qu'on utilise pour ranger. Ah, d'accord. J'ai peut-être une bêtise déjà pour commencer, super, on perd dès la première épreuve, perdu, fin de l'épisode, salut, à la semaine prochaine. Et comment j'étais supposé deviner que je devais attendre que les réponses apparaissent à l'écran? Il se passait rien. Concentre-toi. Allez, tu peux le faire. Ok. Tu peux le faire. J'ai déjà perdu une épreuve. C'est rien, je peux le faire. Faire bouger l'épée, tirer sur l'épée, frapper sur la corde. Une idée, la Excalibur, ouais, bah Excalibur, bah totalement. Bah... Attends, je me souviens plus des boutons. Allez, reprends-toi! Do it! Mais allez, ma petite sœur a plus de force que ça! Oh là là! Genre, pourquoi on l'a envoyé lui? Non mais sérieux! J'étais à ça! C'est pas grave, hein, on l'aura la... On a compris, arrêtez de me faire culpabiliser! Donne-toi à fond! Mon personnage commence à me faire de la peine en vrai. Il se donne à fond, hein, mais. Alors, décroche les sauts sans les reverser et apporte-les au bout du tapis roulant. Donc là. J'ai pris le saut. Ça va. Enfin, un jeu accessible. Ah, et du coup, si jamais j'attrape pas le saut au bon moment, il y a l'eau qui se renverse. Ok, c'est logique. Ok. La jauge, elle va vite quand même. Mais vous faites participer un mec qui sait pas tenir sur ses deux jambes. On fait comment pour gagner? C'est pas grave, hein, on l'aura la prochaine. T'y étais presque. Pas grave. Non mais j'ai compris que j'y étais presque. C'est bon, laissez-moi tranquille. C'est pas grave. C'est pas grave. Bon. T'y étais presque. Non mais tout va bien. Tout va bien. On a loupé quoi? 3 épreuves sur 4? Seulement? Allez, tu peux le faire. Concentre-toi. Allez, tu peux le faire. Tu peux le faire. Dépose un ballon dans chaque panier au bout du tapis roulant. D'accord. Jusque-là, c'est une histoire de course avec les gâchettes. Ça va. Allez, vas-y. On va peut-être réussir une épreuve. Plus qu'un.
t'as trop assuré. Bravo! Ah! Ah! D'accord. Donc quand on perd une épreuve et qu'on n'a pas réussi à récupérer la clé, il y a une épreuve supplémentaire. Concentre-toi. Concentre-toi. Allez. Allez, tu peux le faire. Allez, donne-toi, fond. Jugement. Attrape les sphères bleues avant qu'elles ne se brisent sur le... Tranquille, on doit récupérer des sphères. Faut faire quoi, là? Déplacer notre main, c'est quoi l'idée? Je comprends pas. Ah, oui, c'est déplacer sa main. Ah, oh, d'accord, ok. Oui, bah, merci, mais... vous auriez pu me dire comment jouer avant? Ah, il faut appuyer sur A en plus, après. Oh, c'est incroyable, ça. Je l'ai! Une histoire d'indice. Fais le plein d'eau au point vert, puis utilise l'eau pour faire remonter l'indice. Ok. Ralentir, reculer, accélérer, tourner, pistolet à eau. Oh, il y a les tigres. Oui, 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 on contrôle une voiture du coup. Est-ce que les tigres nous attaquent? Oh là là, mais regardez-moi ces images incroyables! Mais je dois. Il y a un tigre derrière ma voiture, c'est ça? Ouais, vas-y! Oui, bah c'est bon, t'as essayé de te stationner avec un tigre derrière toi? En vrai, Fort Boyard, ça doit être une émission genre trop frustrante à faire. Genre, c'est typiquement le genre d'endroit où tes potes, ils passent leur temps à gueuler à côté, mais en fait, à t'engueuler à côté, mais ils servent à rien. Mais fais ça! Mais on t'a dit non! Mais non! On t'a dit de faire ça! Mais non! Pas par là! Mais... Alors, percute toutes les cibles dans l'ordre en évitant la voiture adverse. Ok. Ça. J'ai eu mon code de la route, j'ai eu mon permis. Qu'est-ce qui peut mal se passer? Oh là. C'est qui ça? C'est qui ça? Mais regardez ses yeux! Mais regardez ses yeux! Attendez. Bon, il faut faire l'épreuve, Mais vraiment, regardez la tête du conducteur en face. C'est bon, t'attends. Est-ce que je peux le retrouver? Oui, bah c'est bon, j'ai le temps, mais non, en fait. Wouhou! Allez! Ok. C'est à la moitié du temps. Bah, je sais. Ah non, il faut les taper dans l'ordre. Je sais pas, il y a un, deux... Je sais pas, en fait. Je sais pas du tout. Je pense qu'il y a un ordre. Trouve le numéro 1. Bah oui, merci, mais fallait me le dire au début de l'épreuve. Je vais réussir au moins une fois. Allez, le dernier. Je le vois. 4, 3, 2. Oh! La double faucheuse en sautant ou en te baissant au bon moment. Ok. Donc B pour se baisser, A pour sauter, et tu dois aussi gérer ton équilibre. Ah, ça va être glorieux. Hop. Hop. Ok. Hop. Allez mon poteau. Ah non. C'est quoi cette chute? Dommage. Ah. J'allais la voir. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Indice lumière, système, étoile. Bah, soleil. Croissant de QI, je vous avais dit. Ok, bon, on va repartir. Allez, on a déjà assez d'argent là. Regardez, ça déborde de ses bras. Ah, c'est bien. Ok, c'est cool. Voilà, on a gagné combien?
Oh là 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 là, mais regardez-moi ça. Si si. En vrai, c'est pas mal. Bon, Fort Boyard, qu'est-ce que j'en ai pensé finalement ? Bah, en soi, le jeu est assez sympathique. C'est un petit jeu qui se veut sans prétention, juste pour passer le temps en fait entre amis ou en famille, tout simplement, avec quelques mini-jeux. Il y a un petit côté Mario Party, notamment dans Boyard Party, en fait, le mode de jeu où vous avez quelques petits dés, chacun joue, chacun son tour. C'est assez sympathique. Le seul bémol que j'y ajouterais personnellement pour moi, c'était que c'était un peu frustrant au début de rentrer dans le jeu et de pas avoir un petit moment pour essayer, parce qu'on est obligé, on apprend sur le tas. Mais en fait, les jeux sont assez faciles à prendre en main. Selon le jeu, la difficulté varie quand même pas mal, mais ça reste quand même dans l'ensemble un jeu vraiment sympathique. Surtout si, voilà, vous voulez pas vous prendre la tête et que vous voulez vous défier entre amis. Sur ce, il va être l'heure pour moi de récupérer mes boyards. Je vous dis à la prochaine. Tchuss.